Au programme de ce 20h People du samedi 15 avril, les rumeurs de fiançailles de Meghan Markle et du prince Harry, le message d'anniversaire émouvant de Shannen Doherty pour l'anniversaire de son amie Sarah Michelle Gellar et la parodie hilarante de Vianney en Emmanuel Macron. Meghan Markle, amoureuse depuis le mois de novembre dernier du prince Harry, pourrait bientôt se voir passer la bague au doigt. Un indice? La belle arbore désormais au doigt une bague qui pourrait laisser présager une prochaine union, selon les informations du site américain TMZ. Surtout que sa nouvelle bague porte les initiales du prince Harry. Shannen Doherty et Sarah Michelle Gellar sont amies depuis leur rencontre sur le plateau de la série Charmed. À l'occasion de son anniversaire, Shannen Doherty, qui souffre depuis plusieurs mois d'un cancer, a publié un post sur son compte Instagram pour les 40 ans de son ami. Depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, tu m'as apporté ton soutien et tu es resté à mes côtés. Il n'y a jamais eu un moment de flottement entre nous. Au contraire. Tu illumines les endroits où tu passes, avec ton sourire, ta confiance, et ton sens de l'aisance. Je t'aime, et je suis fier de toi, a-t-elle indiqué en légende. Vianney a beaucoup de fans sur le réseau social Twitter, avec lesquels il échange régulièrement. Il y a quelques jours, il publiait un tweet qui mentionnait qu'il avait réalisé plusieurs quiz de quel candidat vous sentez-vous le plus proche. Mais en cette fin de semaine, et à l'aide d'un montage très bien réalisé, le chanteur s'est mis en scène avec le slogan parodique En Mèche, en référence au slogan En Marche d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Serait-ce un indice de ses préférences politiques ?